La roue là, qui devait tenir un bout de temps, a été mise à mal. Exactement, difficile à briser, même pour les Chinoises, elle doit être absolument parfaite. C'est la revanche des Russes qui finalement démontrent leur capacité. Ben, j'allais dire pour elle et pour vous, il était temps. Oui, tout à fait. Liu Xuan. Entrée intéressante, on a vu un Healy qui est un tour, une vrille finalement sur un bras pour se retrouver en position assise sur la poutre. Regardez bien ici, acrobatie de trois éléments. Ah! Impeccable! Réception extrêmement solide, tout comme presse à canne, flic-flac, flic-flac, salto tendu. Petite erreur ici. Bernard, c'est la dernière concurrente, c'est la seule qui pourrait bousculer le classement. Les positions sont très, très belles. Les Chinoises ont aussi une très belle esthétique dans l'exécution de leurs gestes à la poutre. Vous pouvez imaginer la tension maintenant qui existe et la question qu'on peut se poser, comment arriver à conserver cette concentration-là, sachant très bien, OK, où on se situe et quels sont les enjeux. Je ne suis pas convaincu qu'au dernier saut, il y a eu une modification d'exercice. J'ai bien l'impression que oui. Oups! Ah, un bel exercice. Mais je soupçonne qu'il y a eu une modification. La dernière combinaison gymnique où on a vu un saut devait, à mon point de vue, mener à un second saut qu'on n'a pas vu ici. Je voudrais bien voir maintenant quelle va être la valeur de départ attribuée à l'exercice en ce concours 3, où en principe, on ne peut pas se permettre diminution du compte. Alors, si le classement devait rester tel quel, le Bazniuk et Produnova en tête, eh bien, il s'agirait là des 9e et 10e médailles de la Fédération de Russie en gymnastique à ces Jeux. Regardez, cette combinaison acrobatique de trois éléments, vraiment très, très stable. Donc, la Fédération de Russie, pour l'instant, en a 8, la Roumanie en a 6 et la Chine en a 5. Alors, évidemment, juste de vous dire qu'il y a de l'anxiété en attendant cette note. Tout à fait. Les juges doivent délibérer maintenant, évaluer le contenu pour la note de départ. Une note de départ qui est fixée à 10. Oui! 9! Oui, c'est 9-8. Attendez un petit peu, on va voir. 9-8-2-5. Et elle prend la tête. Liu Xuan remporte la médaille d'or de la poutre ici au jeu de Sydney et repousse Ekaterina Lobazniuk sur la deuxième marche du podium. Médaille d'argent. Yelena Produnova est quand même médaillée enfin, pourrait-on dire.